Ça, c'est ma jumelle ou pas? Ah, il est là, le soldat. Il est là. Attendez. Il est là, le soldat. Il est là. Vous voyez la dame derrière là-bas? Elle n'aime pas les vidéos. On espère que vous allez bien, vous allez bien. Voilà. On a fait tout ce qu'il y avait à faire pour Julien. Voilà. On a fait réveiller, on a fait l'enterrement, on s'est occupé de ce dont on doit s'occuper, c'est ça? Voilà, on s'est occupé de ça. Et tout le monde m'a conseillé, on dit qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Parce qu'il y a eu des véritables personnes quand même, voilà, qui nous ont soutenus tant bien que mal. Et on a décidé, enfin j'ai décidé de faire un live de remerciement parce qu'il ne faut pas que j'ai trop de choses dans la tête. Il ne faut pas que voilà, je dis après. Et dans un moment de je ne sais pas quoi, voilà, je vais oublier, je ne vais pas faire le live de remerciement alors qu'il y a eu véritablement des personnes. Et donc comme ça, Clara et ma belle-fille a dit, maman, tu ne vas pas faire le live de remerciement tout seul. Voilà. Qu'on va faire le live de remerciement ensemble avec toi et tout. Donc il y a Clara qui veut parler, voilà, qui veut vous dire quelque chose. Ensuite, ça sera ma belle-fille et moi vers la fin. Mon papa, hein, il ne veut pas se présenter sur les caméras. Voilà. Est-ce que je peux m'asseoir? Tu veux t'asseoir? Bah, je sais pas. Ça fait mieux, non? Bon, après, si je passe devant, on dirait une poésie, c'est bizarre. Donc, je vais m'asseoir. Ok, asseyez-vous. Non, mais vous allez me voir. Je suis grande, vous allez me voir. D'accord. Donc, déjà, bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé des messages. Je règle les messages pour soutenir ma maman. Voilà. Et même moi, hein, voilà. Mes copines aussi, les mamans de mes copines qui m'envoient des messages. Les mamans de mes copines elles-mêmes qui se sont déplacées. Les personnes qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui ont appelé, qui ont envoyé des messages. Je vous remercie beaucoup parce que ça compte. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, donc rien qu'un message, prendre la peine d'envoyer un message, c'est déjà bien. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Même les personnes qui prennent le temps de commenter, qui prennent leur doigt pour écrire un long texte ou même un simple yako, merci beaucoup à vous. Merci à toutes les tatas qui se sont déplacées pour venir à la maison, qui ont fait énormément de choses, qui ont payé des choses, qui ont cuisiné des choses pour que les gens ils puissent manger à la salle et tout. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup aussi aux tontons aussi qui ont organisé la veillée. Merci beaucoup. Et voilà, merci à tous ceux qui ont soutenu ma maman ainsi que moi et tout. Je vous remercie beaucoup. Et je suis très contente aussi parce que voilà, ça prouve à quel point la communauté n'est pas que là pour regarder les lives. Ou pour insulter, quand il faut insulter et tout, vous êtes là aussi. Un mot qui fait comme ça derrière. Vous êtes là aussi quand ça va pas, donc merci beaucoup. Et voilà, je tiens à remercier tout le monde, vraiment, ça touche, ça touche. Il y a ces dadas que j'ai vus, ça fait grave longtemps que j'ai pas vu, et qui habitent super loin, qui sont quand même venus, donc je les remercie aussi pour ça. Même après aussi, après l'enterrement, il y a des tas qui sont encore venus et tout. Pour soutenir parce que c'est pas que pendant l'enterrement qu'il faut être là, c'est aussi après, ça compte, c'est vrai, c'est mental en fait, c'est pas que comme ça. Donc voilà, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci, 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 merci. Voilà, je suis très contente. En plus, son frère il était trop beau donc il mérite tout ça en fait. Mais pourquoi il était déjà sa jumelle, s'il vous plaît. Est-ce que je suis pas sa jumelle, s'il vous plaît? Genre, je suis sa jumelle, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Attends, je cherche des lunettes, je mets les lunettes en fait. Je ressens comme deux gouttes d'eau. Donc sa jumelle, elle est là. Maintenant, c'est moi qui prends la relève. C'est moi qui vais m'occuper un maximum de moments. Je vais tout faire pour la rendre fière. Parce que là, je vais m'approuver qu'on peut partir à tout moment. Donc j'ai intérêt à réussir pour la rendre fière, en fait. Parce que il a eu le temps de la rendre fière, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi, je vais faire un maximum, même en étant petite, tout faire pour qu'elle puisse être un maximum fière de moi. Comme ça, quand je vais partir, enfin, si je pars avant elle, je touche du bois, je touche du bois, je viens de dire, je touche du bois. Si je pars avant elle, au moins, je l'aurai rendue fière. Donc voilà. Et merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes pour ma maman. Même ceux qui n'ont pas eu le temps et qui ont juste envoyé un message, merci quand même à vous aussi. Et qui prennent le temps d'appeler,
souhaiter toutes les bénédictions à Julien, ça c'est trop bien. Les personnes qui prient et tout pour mon frère, à distance, qui ne le disent pas forcément, mais qui le font. Merci beaucoup à vous parce que vous le faites dans le secret, vous ne le dites pas forcément. Mais merci à vous et voilà. Je vous fais plein de bisous et je tiens à vous remercier encore une fois. Encore merci et merci pour vos yakos. Bisous. C'est Cathy. Cathy. Ça c'est Cathy, l'amant de Djibril, Joris, Ethan et les deux petits Kofi. Bon, est-ce qu'on sait à vous dire quelque chose? Bon bah bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu maman, toutes les personnes qui sont venues à la maison, qui ont acheté de la nourriture, des boissons, qui ont fait des dons pour maman, toutes les personnes qui ont envoyé des messages, les personnes sincères qui sont venues avec le cœur surtout, c'est important bien sûr. Et voilà, les personnes qui n'ont pas envoyé d'insultes, qui n'ont pas envoyé de méchanceté, on est ensemble, ça bouge pas. Et merci aussi à mes copines de Bretagne qui m'ont toujours soutenue. Elles se reconnaîtront d'être là, bien sûr. Et voilà, du coup, ça bouge pas, on est ensemble. Bien. Au revoir. Bon, on a décidé de faire un petit direct, vraiment de remerciement. Moi, j'ai pas de mots. J'ai été surprise d'être étonnée pour voir que j'ai été vraiment... On peut dire du nom? Non, non, non. Si on dit d'un nom qu'on oublie deux personnes, ça va envoyer des choses. Donc, il n'y a pas de mots. Je disais... J'ai été surprise d'être étonnée. Baisse ton son. Voilà. J'ai été surprise d'être étonnée. Pour être sincère et honnête, Paris, Abidjan, Londres, Suisse, États-Unis, Allemagne, Bretagne, en tout cas, j'ai dit, j'allais même pas citer, mais le monde entier. Le monde entier. Je suis toujours dans le négatif. Parce que la première fois que j'ai eu ce soutien-là, c'était encore moi dans les problèmes. Le monde entier s'est levé pour moi. Quand j'ai été frappée de ce malheur, le monde entier s'est encore levé pour moi. Le monde entier s'est encore levé pour moi. Et là où je suis, je n'ai pas de mots. Moi, le merci n'a pas vraiment de poids parce que l'être humain est tellement ingrat. Nous sommes tellement dotés d'une ingratitude qui n'a pas de nom. Nous sommes dotés carrément de la méchanceté. La médiocrité existe dans nos mœurs, mais à un point fini. Moi, j'ai dit merci, mais mon merci est petit face au merci réel. Je ne sais pas en qui vous croyez. Mais que la personne en qui vous croyez vous rende ce merci sur vos enfants jusqu'à vous là. Je vais dire en dehors de Yopougourou Princesse, ici à Reims, oui, Yopougourou Princesse, c'est le maire. En dehors de ce quartier où j'ai grandi, ensuite je suis venu en France et je continue. Reims est dorénavant mon village. Reims est dorénavant mon petit quartier à moi.